Objectif Bluestone accompagne les entreprises de la pierre. Pour les soutenir, nous leur offrons des coachings individualisés, allant de l'analyse financière au marketing digital. Bonjour, je me présente, je m'appelle David Delel, gérant des établissements Roguin à Soigny. Les établissements Roguin ont été créés il y a une soixantaine d'années par mon grand-père. Je suis la troisième génération de tailleur de pierre. N'ayant pas de base dans le marketing, les cours m'ont beaucoup apporté par rapport à tout ce qui est contact avec le client pour présenter le produit. Donc je suis Astrid, chef de projet dans l'agence de communication Les Enchanteurs. Notre mission, c'est de leur donner toutes les clés, que ce soit au niveau d'un site internet ou des réseaux sociaux, pour être visible, être présent et surtout se démarquer de la concurrence. Je m'appelle Alex de Tournay, je suis originaire de la région du Tournaisis. Ça fait 15 ans que je développe une gamme de luminaires en pierre bleue de Belgique. Où on avait un petit souci, c'était au niveau marketing, puisque ce n'est pas notre métier, et ils nous ont donné l'opportunité d'avoir un coaching marketing qui est vraiment très pertinent. Ce que je fais notamment chez Alex de Tournay, c'est qu'on part de la situation de départ, on s'accorde sur les objectifs à atteindre, et puis ensemble, on détermine les différentes étapes, les actions qui sont à poser pour atteindre l'objectif. Arbor Yvon Dermarlier. On est artisan dans la pierre depuis trois générations. Il y a cette troisième génération qui doit arriver, qui n'a pas forcément la même manière de voir les choses que le dirigeant actuel que je suis. Et donc, on va mettre au point des tableaux de bord et des axes stratégiques avec notre coach, Christophe Desplanques. Nous intervenons auprès de la société Vandermeer pour tout ce qui est mise en place de tableaux de bord de suivi et développement de leurs activités. En effet, il y a une transmission qui va avoir lieu entre le père et le fils et nous devons essayer de mettre en place un business plan et un ensemble de lignes directrices pour que cette société puisse continuer son développement dans les meilleures conditions.